Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Goliath 3G, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5. Aujourd'hui, je vous explique comment débloquer l'arme de précision, le fusil sniper de Jacob. C'est parti! Alors, la première étape, c'est très simple. On va donc vous demander de réaliser un speedrun. Donc voilà, vous allez réaliser un parcours, vous allez progresser dans ce parcours, vous allez pouvoir ramasser des armes de plus en plus puissantes. Une fois que vous avez terminé le parcours dans le temps imparti, vous allez pouvoir switcher et arriver sur la deuxième partie de cette quête. On arrive dans un monde complètement ouf, hein, complètement fou. Ce monde est rempli de fous, de flammes, d'animaux en tout genre. Vous allez vous faire attaquer par des aigles, vous allez vous faire attaquer également par des loups. Ça va être assez désagréable. Bref, vous avez 6 l'heure sonore à détruire. Qu'est-ce que c'est que ces l'heure sonore? C'est tout simplement des générateurs qui sont positionnés sur des antennes. Une fois que vous avez détruit ces 6 l'heure sonore, vous pouvez passer à l'étape suivante. La troisième et dernière étape, c'est celle-ci. On se retrouve de nouveau sur Terre, dans un monde beaucoup plus réaliste. Alors, on va se faire attaquer par une armée de soldats, de mastodons, de loups. Ça va être assez chiant, d'ailleurs, de se faire mordre autant de fois par des loups. Bref, Jacob s'est positionné au sommet d'une montagne, armé, bien évidemment, de son arme de précision. Vous devez savoir que Jacob est un ancien militaire de l'armée américaine. Et concernant le tir de précision, le petit lapin, il est plutôt OP, on va dire. Donc, voilà. Bref, vous allez devoir gravir cette montagne, vous allez devoir tuer tout ce qui va se dresser devant vous. Une fois Jacob éliminé, vous allez bien évidemment débloquer son arme de précision rouge chromée qui est assez stylée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, c'est tout simplement la récompense du travail fourni. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.